Et rebonjour, et même bonsoir. Oh là là, mais c'est resté. Les messages sont restés. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Regardez. Regardez, je vais faire un tour de magie. Vous voyez les messages? Regardez. Hop! Ne voyez plus les messages. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est merveilleux. La technologie, qu'est-ce que c'est bien. Ouais, bah oui, c'est parce que j'avais laissé OBS ouvert. Effectivement. Bon. Du coup. Rebonjour, mais pas pour le même jeu. Nous allons repartir sur Monkey Island 3. Nous avons fait déjà le 1, puis le 2, et donc nous arrivons au 3. Les deux premiers étaient des remasters, le troisième c'est la version d'origine telle qu'elle est sortie et qui est plutôt propre. Bon, effectivement, ça a un peu vieilli, mais ça reste plutôt propre. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Chat qui est apparu. Oui, le bout de queue. Il y avait le bout de queue qui était juste là. Et dernière fois, on s'est occupé de récupérer la dent en or. On a les trois matelots. Hein. On sait qui on a pris comme équipage. Donc on a les trois mecs du salon de coiffure. Et après, qu'est-ce qu'on a fait pour récupérer? Ah, on a ouvert le poulet. On a mangé le poulet. Enfin, on a fait manger au vert le poulet. Pour avoir la carte de membre, et maintenant on peut aller sur la plage. Et on s'était arrêté ici, on était arrivé sur la plage, et on s'était arrêté là. Donc bah, on va reprendre à ce moment-là. Et puis, tout de suite, maintenant. Hop, vous avez pas vu que j'avais cliqué. Hein. Ah, va falloir que je change ça. Désolé. J'ai fait du Among Us. Donc du coup. Mais pourquoi je me mets là? Moi, je suis complètement con. Il y a plein de places à droite. Ah! Allez! Ah, les fenêtres qui collent, faut que j'enlève ça. Je sais pas si on peut l'enlever. Collection de scènes, les outils. Fenêtres d'état. Je sais pas si on peut enlever les fenêtres qui collent là. Bon, je verrai ça une autre fois. Vous avez autre chose à foutre que de regarder un mec. Qui configure son stream, mal en plus. Donc, on reprend. Bon, est-ce qu'il y a le son cette fois aussi? C'est bien mignon, mais la dernière fois, c'est au bout de 3 heures où on me dit, oh là là, il n'y a pas le son, espèce de con. Non, c'est bon, il y a le son. Hop là, nous voilà donc sur la plage. Alors, faut que je reprenne les boutons. Ah ouais, non, il disait, oh là là, J'ai des godasses de merde. Mais c'est brûlant. J'ai des godasses de merde, donc du coup, je vais jamais y arriver, quoi. Petite danse merveilleuse. Le gant ne peut pas être employé avec ça. Ah bon? Waouh, le sable est brûlant. Effectivement, ouais. Effectivement, c'est peut-être un peu chaud. Comme il est pâle. Serviette moelleuse. Je veux des Oh nuggets. non, certaines ont l'air plus vieilles que moi. Saucisse de poulet, bec et abats broyés avec le reste. Hey, garçon de plage. Oui. J'ai très chaud. Tu peux m'éponger le front avec une serviette. Oh, quel connard. Quel sale con. S'il vous plaît. Oh, en fait, les serviettes sont là, je vais me servir moi-même. Oh non, certaines ont l'air plus vieilles que moi. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'huile? Cette huile est réservée au chef du stand friture. Ok. Je me brûlerai.
Ah, mais le seau à glace. Je ne veux pas m'encombrer avec ça. C'est froid. Ah. Ah. Est-ce que... Regardez-moi ça. Cette serviette est trempée. Bah oui, elle est trempée. Mais maintenant, elle est fraîche. Coucou Malzekiel, comment ça va? Et maintenant qu'elle est fraîche, est-ce qu'elle a toujours brûlé ou pas? Regardez ça. Ah, il faut que j'aille comme ça jusqu'au bout. Non. Non, ils vont pas me faire faire ça quand même. Ce jeu. Pas pire. Attention, tu mets un QWERTY. Serviette moelleuse. Cette serviette est trempée. Ah non, d'accord. Ah non, ok, ça l'enlève. Bon. Va falloir que je trouve un truc. Ah, au bout d'un temps, elle brûle. Je peux pas en prendre plusieurs, hein. Oh. Pardon. Ah, c'est un bout. Serviette moelleuse. C'est le bout de mendiant qui a du mal à passer. Est-ce que je pourrais mettre du beurre? Ah non, c'est le biscuit. Alors, bon. Réfléchissons. Réfléchissons, réfléchissons. Cette serviette est trempée. Est-ce que je peux en prendre une deuxième? Serviette moelleuse. Oui. Toutes les serviettes sont mouillées. Je peux en prendre une troisième. Je vais en prendre une de plus. Serviette moi. Voilà. Toutes les serviettes sont mouillées. J'ai assez de serviettes. Ok. So. Et de une. Et de deux. Eh, vous avez vu, j'ai pas été trop long pour celle-là, hein. Je pense que je pourrais pas revenir du coup. Je suis pas sûr, hein, mais. Salut Twinsen! J'ai réussi avec brio l'énigme du sable brûlant. Le truc des serviettes. Exactement, j'ai trouvé tout seul comme un grand. Je suis assez fier de moi. Je m'appelle Guybrush Threepwood. Enchanté de vous rencontrer, monsieur Threepwood. Mon nom est Palido. Palido Domingo. Je suis content qu'on vienne me servir. Enfin! Quelqu'un qui a de bonnes manières sur cette île. Cette boisson n'est plus fraîche. Emporte-la et ramène-en une autre. Je ne suis pas garçon de plage, mais pirate. Pour le garçon. Désolé, mon mignon. Sincèrement, peut-être ne me suis-je pas bien exprimé. Prends ce verre et ramène-en une autre. Tout de suite! C'est encore moi. Est-ce que vous êtes pâle? Écoute, mon mignon. Je suis en vacances et j'aimerais en profiter. Depuis combien de temps êtes-vous là? Depuis mai. Il est pâle, c'est Cam. Oh, ça y est. Ah, Twinsen est en forme. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas fait. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas fait du Monkey Island. Donc, t'as fait une liste? Alors, j'ai connu un flacon de Tipex qui avait de meilleures couleurs. Oui, mon mignon. Je ne suis pas Mister Bronzage, mais...
Comme tu peux le voir, j'y travaille. Effectivement, quoi. On dirait que depuis votre naissance, vous avez vécu sous terre. Je dois bien admettre que mon teint est encore un peu blafard. Mais bientôt, il serait couleur chocolat. Votre pâleur est vraiment effrayante. Je t'en prie, mon mignon. Je me retiens. Si tu dis un mot de plus, je vais rougir. Hey, je peux me mirer sur votre poitrine. Me mirer. Merci pour tes remarques judicieuses, mon ami. Maintenant, va voir ailleurs si j'y suis. Eh, dis donc. Va faire you-you avec tes coquillages. D'accord, mon mignon. À côté de vous, la neige a l'air brune. Todo. Il va s'énerver. Même la craie blanchie n'a pas cette pâleur. C'est bon. Oui. Je suis très pâle. Merci. Là, tu m'as profondément blessé, tu le sais parfaitement. Tu es content? Hein, mon mignon? Tu es content? Oui, tu un peu. Tu es content maintenant? Ça, il se vénère. Oui. Je te déteste. Amène-moi un verre. Voulez-vous embarquer avec moi? Voulez-vous embarquer avec moi? Pourquoi il fait ça? Oh non, mon mignon. Je ne suis pas un marin. Je gagne ma vie grâce au dur labeur et au talent des autres. Vous êtes chef de projet en jeux informatiques? Non. Je suis un important impresario. Mais je ne m'occupe que des grandes stars. Oh, cette vanne! C'est juste parfait. C'est juste parfait. Et ça, c'était en 97. Hein. C'est encore plus valable maintenant. Hein. Putain. Ah, j'adore. Vous êtes sûr de ne pas vouloir embarquer? Ne me parle pas du travail, mon mignon. Il est bronze. C'est vrai, il est en vacances. Qu'est-ce qu'on l'emmerde? Je cherche l'île du sang. Savez-vous où elle se trouve? Non. Jamais entendu parler. C'est drôle. Slappy Cromwell m'a dit que là-bas, vous aviez booké ces spectacles. Cromwell! Il aurait dû m'en douter. Même dans une cabine des plages, il ne ferait pas sale comble. Donc, vous savez comment aller à l'île du sang? Oui. Ils avaient là-bas une très belle salle. L'hôtel Casino de la plantation Bonne Soupe. C'était vraiment un endroit chic avant qu'ils ne changent les voies de navigation. Ils organisaient tant de concerts là-bas qu'ils avaient fait tatouer la carte sur mon dos. Sur votre dos? Ah. L'argent coulait à flot. C'était vraiment un endroit formidable. Ah. Oh. Pourquoi m'avez-vous menti en me disant que vous ne saviez pas y aller? Je ne tiens pas à le dire. Dire quoi? C'est ton visage, mon chou. Voilà, je l'ai dit. J'espère que tu me pardonneras, mais je dois parler franc. J'ai trouvé que l'île du sang n'était pas un endroit pour toi. Pour ta carrière, il n'y a aucun intérêt à aller là-bas. Je pourrais te trouver des endroits qui te conviennent mieux. J'ai connu une fabrique des chaussures à Hoboken. Le son est génial. C'est l'île du sang ou rien? Si tu es vraiment fixé sur un spectacle là-bas, je m'incline. Mais tu devras te trouver un autre impresario, ok? Puis-je voir votre carte de l'île? Quand je me retournerai pour me bronzer le dos. Et ce sera quand? Peut-être dans longtemps, mon mignon. Dans très, très longtemps. Ok, donc c'est quand il sera cuit d'un côté qu'il se retournera. Est-ce que ça a rapport avec la friteuse et l'huile? On va voir ça dans quelques temps. Là, c'est... Salut Lolo, Lolo Malon. Désolé pour d'avoir écorché ton pseudo. Salut, installe-toi. Twinsen, tu disais, là, c'est des adaptateurs français qui trouvent les phrases. C'est-à-dire qu'en anglais, c'était pas la même vanne sur les développeurs informatiques. Enfin, sur les chefs de projet. Alors Lolo, non, t'installe pas sur la plage, elle est très très chaude. Le sable est brûlant, je viens d'en faire les frais. Ok. À la prochaine. Faut que j'y ramène. Alors, où est-ce que je peux aller? Est-ce que... Merde, je vais encore mourir. Hein? Oui, d'accord, c'est le même truc. Alors, la barrière. Ça m'emmène où, ça? Ah, d'accord.
Alors, la timbale. Ah. Ah. Comme ça, tu feras pas les serviettes à chaque fois. Ouais, égal. Exact. Merde. Ah, j'ai mangé un bout de mendiant, il y avait une noisette et tout est resté collé dans le fond là. C'est pas dingue hein. Regardez un singe à trois têtes. Oh là 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 là. Mon dieu, mais c'est hyper chouette. Hey. Ce n'est pas parce que vous êtes un adulte que vous avez le droit de me faire perdre mon temps. Ok, donc. Maintenant, nous avons le verre sans fond. Mais surtout, on peut parler au seul gamin. Donne-moi encore un peu de limonade, petit escroc. Ça fera un écu. C'était aussi rafraîchissant qu'une rosée matinale. Hé hey, comment avez-vous fait pour tout boire? Vous avez échangé les verres, tricheur. Vous êtes fier de vous. Vous venez de ruiner la carrière d'un jeune limonadier. Oh. Oh, il est parti pleurer. Petit con, là. Alors, je reprends tout, moi. Je n'en ai plus besoin. Oh bah, ok, t'es comme ça, toi. Bon. Hop. La playa. Vamos a la playa. La cruche est vide. Hein? Comment ça? Faut mettre de la teinture dedans quand même. Oh, la teinture, bah oui. Mais oui. Ça y est. Ça y est, ça vient de m'arriver. C'est plein de teinture maintenant. Ça vient de m'arriver. Voici votre boisson. Apporte-moi une timbale, beau gosse. Timbaland. Faut lui apporter Timbaland. Regardez. Regardez comment je suis malin. Je vous ai apporté une nouvelle timbale. Merci. Hop, et ensuite, bah, on va le servir. Voici votre boisson. Regardez ça. Ami me gusta bailar. Ah oui? Attention, Palido, vous brûlez. Ah, toussez-moi au soleil, et voilà que mon bronzage y va peler. Il ferait mieux de me retourner. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Putain, le mec. Putain, c'est... Eh, mais est-ce que vous pensez que Prison Break, ça vient de là, du coup? Est-ce que vous pensez que l'idée de Prison Break, c'est des gens qui ont joué à Monkey... Cette carte. Elle est bien trop compliquée. À Monkey Island 3? Non? Oh, ça me paraît... Ah si, bah attends, c'est exactement l'histoire de Prison Break. Ah. Il va y avoir une nouvelle saison. Comment ça? Je ne peux pas coller ça. Palido. Je peux lui faire quoi, Palido? Nouvelle saison de Prison Break, mais ça... Mais c'est... Il est toujours aussi pâle. Mais la 1, la 2 m'ont pris dans leur jeu. Allez, c'était la 1 était vraiment très très bien. La 2 était correcte. Après, c'est devenu de la merde. Ils vont refaire une. Mais avec qui en plus? Parce que, enfin...
Je sais pas, y a Wentworth Miller. A priori, il a envie d'être un petit peu tranquille et de résoudre un petit peu ses petits problèmes à perso à lui, quoi. Donc, est-ce qu'il va jouer dedans ou pas ? Non. Ouais, j'ai vu pour Dexter. Ouais, pour Dexter. Alors, j'ai pas suivi Dexter en fait, donc. Est-ce qu'on peut parler à la carte ? Moi, je veux parler à la carte. Non. Qu'est-ce que je peux lui mettre ? Prospectus sur le dos. Je vais le conserver. Il donne peut-être droit à une réduction. Je vais le conserver. Non. Il donne... qu'est-ce que je peux mettre ? Eh, j'ai pas fait de ventriloquie avec lui. Il est endormi. Ah merde. Merde, il dort. J'aurais pu lui raconter des saloperies. Bon, le couteau à pain, quand même. Quand même, on va pas découper le pauvre homme. Rassurez-moi. De la barbarie. Ah. Ah. Ça, ça me rassure un peu, quoi. Qu'est-ce que... Ce coupe-biscuit ne me servira à rien ici. Coupe-biscuit dans Palido ? Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Effectivement. Je ne veux pas piquer ça. Je ne veux pas piquer ça. Ça, ça se combine ou pas ? Cette tourtière ne me servira à rien ici. Oui, oui, oui. Bon. G. Il serait dommage de gâcher ainsi un bon biscuit. Oui, j'essaie de trouver quelque chose que je peux pas coller et décoller. Regardez, je vais faire comme ça, hop, tout va s'arracher. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. Qu'est-ce que... Mais merde, j'y arriverai jamais cette interface. Impossible de mémoriser cette carte. Elle est bien trop compliquée. Je ne peux quand même pas arracher la peau. Ah, mais si, il pèle. Si j'arrive à le faire vraiment cramer, il va peler. Je sais, mais je dis rien, je mange ma pizza. Mais je sais que tu sais. Je sais que tu sais, et c'est bien que tu dises rien. Merci. Merci. Lui, ça fait longtemps que je lui ai pas parlé à lui. Mais il veut plus me parler. Garçon de plage. Quels sont tous les avantages accordés aux membres ? Le Country Club de Brimstone Beach est un lieu de villégiature sélecte, où seules les grandes familles de pirates peuvent venir. Ici, le personnel est attentionné et d'une grande courtoisie. On satisfait tous les désirs de nos membres. Nous proposons entre autres des cours de sévices nautiques et des stages d'initiation au golf sur notre parcours 18 trous. Le célèbre Malois Jambes de Bois. Avec ça, parking gratuit pour les navires. Putain. Parking gratuit pour les navires. Hé, hey, garçon de plage, tu veux bien m'enterrer dans le sable ? Je vais de ce pas creuser votre tombe. Ça m'étonne pas, hein. Hé, hey, garçon de plage. Puis-je vous aider ? Rien. Je voulais m'assurer que tu étais à mon service. Oh ! Quel connard. Hé, garçon de plage. Puis-je vous aider ? Rien. Je voulais m'assurer que... Ok. Du coup... Ça n'a pas besoin d'être teint. Ça n'a pas besoin d'être teint. Hey, garçon de Twitch. Ça n'a pas besoin d'être teint. Ça n'a pas besoin d'être teint. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Ah non, je pense pas non plus, mais bon. Une tourtière. Cette tourtière ne me servira à rien ici. Cette tourtière ne me servira à rien ici. Faut vraiment que je prenne la... C'est de l'huile de noix de coco. Mais ouais, mais prends. Est-ce que je pourrais avoir un peu de... Non, mais prends-la. Cette huile est réservée au chef du stand friture. C'est qui le chef du stand friture ? Oh, peut-être la tarte, parce que la tarte a teint. Waouh ! Waouh ! Mon biscuit. Il serait dommage de gâcher ainsi un bon biscuit.
Il serait dommage de gâcher ainsi un bon biscuit. C'est réservé. C'est qui le chef ? C'est un interphone pour aider les touristes égarés. Laissons tomber. Voilà. Bon. Biscuit déjà croqué, espèce de pouilleux. Salut, Nobarity. Cette tête qu'il a. Ça, il me l'a déjà dit. Ça, il va livrer au. Au bateau. À qui alliez-vous livrer vos poulets ? Aux pirates de la crique de Danger. Ouais. Avez-vous d'autres spécialités ? Plus rien. Ok. Je vais vous laisser travailler. Ouais. Ouais. Alors, le gamin. Le gamin, je l'ai fait pleurer. Le gamin, il est parti. Faut pas prendre son je truc. Peux pas l'atteindre. Avec quoi ? Je peux pas l'atteindre. Ok, non. Je peux pas l'atteindre. Ok, non plus. Je peux pas l'atteindre. D'accord, d'accord, c'est bon. La cage à poulet. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Ah oh, merde, je suis encore gouré de la bouton. Brimstone Beach Club, membre depuis 1632. Non. Que je peux boire non, de la torture. J'aurai la langue toute rouge. Le gamin est parti, mais tu le reverras prochainement. Attention avec les spoils, hein. Je vais me fâcher, hein. Je vais me fâcher. Est-ce que je peux pas piquer le... Discretos, regardez. Hop, hop. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras. Pourquoi pas ? Pourquoi tu peux pas ? Je ne pense pas qu'il aimerait ça. La baguette magique n'a pas d'effet là-dessus. C'est pas... On aurait pu essayer, quoi. Table roulante. Mais oh, j'y arriverai jamais. Hein. C'est rempli de vaisselle sale. C'est rempli de vaisselle sale. Non. Je peux manger non. La vaisselle sale. Couteau à pain sur les nuggets. Ce couteau-ci ne coupera pas ça. Aussi ne coupera pas ça. Mais elle est quelle aiguille cette guillotine. J'aimerais bien faire des spoils, mais je vais jamais jouer à Monkey Island, donc je vais faire des faux spoils. C'est pour qui la guillotine, Malzekiel ? C'est pas pour moi parce que je suis trop lent. Hein. Attendez, le gant. Le gant ne peut pas être employé avec ça. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Le gant ne peut pas être employé avec ça. Je me souviens du truc, on va encore passer la nuit. Bah ben, ça tombe bien. Ça tombe bien. Écoute, il est présentement 21h45. Voilà, on a deux heures pour trouver le truc. et ce soir, je suis pas trop pressé, tout ça, donc on va prendre notre temps. Enfin, en même temps, Twinsen, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même.
étant donné que c'est toi qui m'as dit de faire le jeu en difficile. Voilà quoi. Qui a fait la connerie? Qui a fait la connerie d'arriver en disant oh là là, espèce de gros nul, prends le jeu en difficile, ça va être beaucoup plus rigolo. Brimstone Beach Club. Non. C'est plus rigolo en difficile, mais du coup, faut pas se plaindre que ça me prend des plombs pour faire pour faire les énigmes. Attends, il y a les nuggets, il y a la friteuse et il y a l'huile. Pas foutre la dent dans la friteuse? Que ferais-je donc d'une dent en or? Mon instinct de pirate me dit que je dois conserver ça secret. Ok, ok. Le bras dans la friteuse. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Mais non, le bras dans la friteuse. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. Une scène, pas de spoil. Pas de spoil. T'es en train de spoiler là, j'aime pas ça. Il serait dommage de gâcher ainsi un bon biscuit. Un poulet, je vais chercher un poulet. Je mets un poulet sur une aiguille et Oh là là, mais la condition des animaux dans ce jeu. Hein. Lolo qui dit j'ai mangé des crêpes, mais ça me donne envie de friture. Des crêpes. J'ai juste le rapport avec la friteuse, nuggets que tu viens de dire. Ah. Ah désolé, je ne suis pas. Je ne suis pas un client des chaînes de fast-food qui vendent des nuggets et des hamburgers. On peut frire le livre. Lequel? La ventrilo... Ah, est-ce que j'ai fait ventriloquie avec lui? Que je me suis foutu de sa gueule ou pas? Excusez mes manières, n'hésitez pas à me gifler et prenez ensuite la liberté de profiter du club. Je pourrais le faire. Pas si vite. C'est pas grave. Ah, on peut le gifler, hein. Non. Pourquoi pas? Hé, hey, garçon de plage. Puis-je vous aider? Rien, je voulais... Ce garçon est un vrai rabat-joie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à un rabat-joie? Est-ce qu'on peut pas lui donner un ballon pour qu'il s'amuse? Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Est-ce qu'on peut le gifler avec le squelette? Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Est-ce qu'on peut... Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Lui filer un roseau. Je peux pas utiliser le roseau avec ça. Je peux pas utiliser le roseau avec ça. Je peux pas utiliser le roseau avec ça. Je ne veux pas projeter ma voix là. Non, tu vois, il veut pas mettre sa voix dans la friteuse. L'encyclopédie ne servira à rien. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. L'encyclopédie ne servira... Mais quoi donc? L'aiguille avec les nuggets. Je ne veux pas piquer ça. Bon, ok, Ça n'a pas besoin d'être teint. Je préfère passer par là, plutôt que de devoir refaire le coup des serviettes. Si tu as besoin d'un auditioning, je suis là. Je sais. Je vote pour la gifle dans sa gueule de prétentieux. Bah j'ai essayé, hein, j'ai essayé et le jeu a dit non. Je préfère faire un détour, plutôt que de traverser ce sable brûlant. Brimstone, c'est comme dans Isaac. Il y a un rapport avec Isaac. C'est ça en fait. Faut que je parte là-dessus. Il y a un rapport avec Isaac. Faut que je trouve quoi. C'est les chaînes d'information chrétienne. C'est ça le rapport. J'ai trouvé. Pou, 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 pou.
dit que l'huile, c'est pour le chef. Au fort, il y a quoi? Ah, il y en a 9 là. Ouais, ils ont broché. Je ne pense pas qu'elle aimerait ça. Faut éteindre ? Je ne pense pas qu'elle aimerait ça. Et à Puerto Polio. Suivant quoi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais rentrer dans le pays. J'ai toujours pas trouvé le bouquin d'ailleurs pour manœuvrer le merdier là. Il faut que je lise les instructions pour voir comment ça marche. Et les instructions, c'est ouf. Non. Seule la page 243 est déchiffrable. Je sais plus ce qu'il y avait là-dedans. Un compas est un morceau de métal aimanté qui flotte dans une solution. Ok. Voilà, tourtière et l'aiguille, j'imagine, du coup. Je ne veux pas piquer ça. Alors... J'ai toujours pas trouvé le bouquin pour le... Pour opérer le machin, là. Suivant quoi ? Ensuite, je... Excusez-moi. Je vais comédie, c'est le rêve de ma vie. Jouer la comédie ? C'est le rêve de ma vie ! Grand Dieu ! Non ! Et arrêtez de geindre. Ok. Allez, laissez-moi vous regarder répéter. Je préfère. Ok. Bon, il veut pas. Continuez. Suivant quoi ? Balcon, l'horrible pirate. Un balcon, j'ai pas regardé encore. C'est le balcon de Juliette. Non. Tiens, on le mange. Oh, Juliette. Où est-ce que je le mettrais ? Où est-ce que je mettrais le bar ? Bah, effectivement. Je n'ai pas besoin de planches. Ok. Mmh. Ils ont dû changer la fin de Roméo et Juliette. Non. Puis dans l'acte. On peut le faire tomber, puis lui. Puis dans l'acte. Balcon. Ce couteau-ci ne coupera pas ça. Les couteaux. Je ne veux pas couper ça. Oh, Roméo. Enfin, lui. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Zut. Et ensuite ? Tout collant de voyage de l'île du sang. Je sais même plus ce qu'il faut que je fasse. Ah oui, il faut que je récupère le le plan. Il faut que je récupère l'huile. Faut que je récupère l'huile. Mais c'est réservé. C'est réservé au chef. Il faudrait que je me fasse passer pour le chef. Là, c'est toujours fermé ici. C'est fermé. Oui, c'est toujours fermé. Alors. Cage à poule. Cage à poule, cage à poule. C'est une cage à poulet, mais je n'y vois aucune volaille. Oui, ça c'est parce que. C'est parce qu'il s'est fait piquer la cage à poule. Enfin, le. Non. J'ai déjà mon indice. Non. Là, lui, il me dit plus rien. Il se passe que dalle. Que j'ai d'autres endroits où je peux aller. Que j'aurais oublié.
panneau. Là, j'ai déjà mis ça raclé à l'autre, là. La porte mystérieuse, ça m'emmène en haut, mais... Après, je peux rien faire. Ah non ? Youhou ! Ok. On arrive au fond. Oh, ces portes. Ces portes magiques, quoi. C'est assez dingue. Ok. Je veux juste voir si c'est juste une vanne ou si c'est. J'en ai assez de toutes ces fadaises. Ok, maintenant on peut plus le faire, d'accord. Au moins c'est clair. J'y suis allé. Le marais. La crique. Dans la crique, il y a la cascade. Il y a la cascade et il y a le bateau de sauvetage là qui a un trou dans le milieu. The pulley in the middle. Non, c'est, ça c'est dans le premier. Cette tourtière ne me servira à rien ici. Ok. Ça n'a pas besoin d'être teint. Ça n'a pas besoin d'être teint. Ok, et toi, t'as pas besoin d'être hautain, toi. Hein. Oh mais. Je ne peux pas coller ça. Je ne peux pas coller ça. Je ne peux pas coller. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas coller ça. Je ne veux pas, 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 je ne veux pas. Il y a déjà, je ne veux pas, je ne veux pas coller ça. Bon, ok. Moi, ça c'est dit. Je peux pas. Ouais, non, mais il y a des fois. C'est. Il y a des fois, bon, je teste des trucs. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver que le bras squelette, on pouvait mettre de la colle dessus en fait. C'est parce que j'ai pris la colle, j'ai mis dessus, je suis. Oh, bah ça marche, dis donc. Ça, le chewing gum, je l'ai pris la dernière fois. Ça, c'est nul. Ça, on peut tirer dessus pour appeler Lady Vaudou. Lady Vaudou, est-ce qu'elle peut me dire quelque chose? Qui l'a kidnappé? Redites-moi comment enlever le sort, quel genre d'île. Merci pour votre aide. Merci pour votre aide, je dois m'en aller. Donc là, rien de neuf. Paul. L'huile. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Il aime rien. N'essayez pas de me corrompre, c'est peine perdue. Ok. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Il y a sûrement moyen de régler ça sans effusion de sang. Peut-être pas, hein. N'essayez pas de me corrompre, c'est peine perdue. Ok. Toi, tu as de l'huile dans ton... un classique des point and click. Effectivement, ouais. Moi, j'ai de l'huile dans mon placard de cuisine. Bah, moi aussi. C'est fou, hein. Je vais le conserver. Il... Je vais tout faire. Je vous promets, je vais tout faire.
Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Ouais, un petit truc au resto. Je ne pense pas qu'il aimerait. Il y a sûrement moyen de Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne veux pas qu'il voie cette carte de trop près. Tu m'étonnes, c'est pas ton nom dessus. On en est à combien de temps? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Mais on s'en fout. Les serviettes. Est-ce qu'on peut en reprendre? Serviettes moelleuses. Ah! Ah, on peut reprendre des serviettes, hein. Cette serviette est trempée. À quoi me servirait ici une serviette humide? À quoi me servirait ici une serviette humide? Papa Pichou! Eh? T'as vu ça, finalement? Je me brûlerai. Quand on réfléchit. Quand on réfléchit un peu. Oh non! Il y a déjà bien trop d'huile dans la friteuse. Merci, merci. On a dit c'était ça fait mal. Ça fait mal de vivre sans toi. Non. Désolé. Désolé pour cet instant. Chanson française. Hop là. Ah là. Maintenant normalement on peut juste la décoller. Voilà. Voilà. C'était... J'aurais préféré ne pas avoir à faire ça. Oui bah oui mais bon. T'étais un peu obligé. Oh là. Vous imaginez si les tatouages étaient aussi simples à enlever? Ça serait tellement plus simple. Un bon coup de soleil et paf. Le tatouage s'en va. Ah mais merde, cette interface, j'y arriverai jamais. C'est la carte de l'île du sang qui pèle sur le dos de Palido. C'est de la peau qui se craquelle. Non. Je peux pas manger la peau. Je peux pas manger la peau de Palido. Pourquoi? Pourquoi je mange pas la peau de Palido? Ok. Bon. J'ai mon équipage. J'ai la carte vers l'île du sang. Il me faut un bateau. On peut lui parler quand même. Je pense qu'il s'est endormi. Ouais, non, il a rien senti. Ah. Jolies les bottes, hein. Désolé. Hé, hey, dis donc, t'as vu? J'ai quand même des gros os. Oh, silence! Voilà le capitaine Lotchak! Assez fait nasser, moussaillon! Cap sur ma forteresse sur l'île aux singes! Je vais délivrer mon armée de morts vivants! Et cette fois, Hélène sera mienne! Ah, Hélène! Il y aura fête au fond des enfers, quand tu connaîtras le souffle embrasé de mon baiser sur tes lèvres, ce qui fera de toi mon épouse morte vivante. Et j'écraserai quiconque tentera de se mettre sur mon chemin. Flamme et pestilence. Oh, que c'est beau d'être mort. Un peu vénère. Ouais, moi. Pour être plus sympa. Bon, sur ce, j'arrête pas tout de suite. Mais je vais aller me chercher un petit truc à boire. Parce que, mine de rien, j'ai foif. Donc, petite pause d'une minute.
Et puis on se retrouve pour la suite. Hop. À tout de suite. Ah, allô, allô. Merci Otonoshi, pour ton raid. Bon, a priori mon alerte marche toujours pas. Bon, merci pour le raid. Tu vois, je faisais une petite pause. Je suis allé me chercher un petit jus de fruits parce que mine de rien, bah, à force de parler, il fait soif. Tu étais sur quel jeu, Otonoshi? Raconte-moi, dis-moi tout. Que faisais-tu? Assassin de fruits. Oui, bah... T'as pissé dans ton... Alors, le jour où tu pisses de cette couleur-là, je pense que t'as un... Et que c'est aussi sucré... je pense que t'as du diabète. Hein. Ouais, franchement, je pense que t'as... Et un diabète... de type 0, quoi. Et c'est pas le type 2 ni le type 1, quoi. C'est vraiment le diabète type 0. Tu pisses que du sucre. Du jus de canard. Oh non, pas les coins-coins. Hein. Soyez gentils avec les coins-coins. Alors, le Batio... Énorme trou. Cette barque est complètement inutilisable. J'attraperai une belle écharde. Non. Alors. À quoi me servirait ici une... Ah, tu la colles dessus. Tu la colles dessus, on n'en parle plus. Je ne peux pas coller ça. Qu'est-ce que tu pourrais mettre? Prospectus? Ah. Mais coucou Vortex, et merci pour le follow, parce que oui, si j'ai des alertes de raid qui ne fonctionnent pas, les alertes de follow fonctionnent. Et ça, c'est chouette. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Alors... Si je collais la carte sur le trou, pour boucher le trou, non?
Ah, je peux rien faire. Je peux rien faire pendant. Pendant que je mange le truc, je ne peux rien faire. Ah, mais il me faudrait la planche. Bah oui. La planche nulle, là. Et non, mais je veux pas que tu rentres par là. Je veux que tu rentres par là. Voilà. Alors. C'est ça que je veux, moi. Si j'avais la planche, là, je pourrais réparer. Je suis au bout de ma vie, donc je vais aller m'enfoncer dans un truc chaud et confortable. Heureusement que tu as marqué dans. Hein. Et heureusement que je l'ai lu. Hein. Mais je vous surveille quand même. Et bah merci dans beaucoup Otonoshi encore pour le raid. C'est sympa parce que tu me raides quasiment à chaque fois, donc ça me fait très très plaisir. Et puis repose-toi bien. Je pense que tu mérites. Tu as eu probablement une dure journée. Donc faut que j'arrive à faire fonctionner le machin de merde là-haut. Je lise les instructions, mais je les ai vues nulle part, les instructions. Il faut que je lise les instructions pour voir comment ça marche. Et toi? Il faut que je lise les instructions pour voir comment ça marche. Salut Otto. Il faut que je lise les instructions pour voir comment ça marche. C'est du diabète en stade animal plutôt. Alors, regardez. Puis dans l'acte. Je vais le laisser apprendre son texte. Il y a le balcon, il y a la planche. Là, il y a les trucs. Je cherche hein, là où j'ai le droit de cliquer. L'arbre fasciste, là. La pierre tombale. Shit. C'est la tombe de Yorick dans Hamlet. Bon allez, je sais que ça va te faire plaisir. Twinsen, premier indice de la soirée, où sont les instructions, enfin, indice sur où je pourrais trouver les instructions pour opérer le truc de merde là. Je veux dire les lumières merveilleuses. Est-ce que tu le sais déjà? Est-ce que tu arriverais à trouver un indice chez vous qui me mettrait sur la piste? Est-ce que tu aurais ça? S'il te plaît. Quand même, voilà. Pas des bêtes. On peut dire s'il te plaît, merci. Hein. Même si je sais que ça te fait plus plaisir qu'à moi de balancer les trucs. C'est pas pour tout de suite en fait. Ah, mais Lolo Malon, donc tu connais le jeu aussi. Ah, j'ai des fans du jeu sur le chat. Bon, je dois y aller. Ah, Vortex. Alors, désolé Vortex de t'avoir déjà épuisé par mon absence de skill. Mais voilà, merci d'être passé, c'est cool. Et merci d'avoir dit bonjour et d'avoir follow. Ça fait plaisir. Ah, donc, mince, je suis au chômage. Bah, je sais pas. On m'a dit que c'était pas pour tout de suite. Donc là, c'est pas... Bye, Vortex. Merci encore. Donc, mon idée de la planche pour réparer le bateau, c'est une connerie.
priori. Ah, il y a Tonop qui met un très beau message sur le chat. Vous pouvez me suivre sur Twitter aussi. Ça aurait pu, mais ce n'est point ça. Ah, ça aurait été trop évident. Il fallait évidemment que ça soit une connerie. Ok. Donc le radeau, ça n'a rien à voir avec le théâtre. Du tout. On va partir les mecs du théâtre. Est-ce que vous pensez que... est-ce que vous pensez que je peux fouetter avec une serviette mouillée l'intégralité des gens? Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Oh, Roméo, je ne pense pas qu'il aimerait ouais, ça. Ouais, non, a priori, on peut plus. Bonsoir. Au signal, il sera non, non, c'est chiant, ça. Des D'ici, je peux pas atteindre ça. Il n'y a personne dedans. Là. Le centre Long John Silver des arts du spectacle présente le Shakespeare. J'ai une idée. Allez. Une idée. Je ne peux pas utiliser un ballon avec ça. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. Ok, j'aurais essayé quoi. Ça ne prend pas de jetons en bois. Ok. Alors. Mais j'ai quoi comme endroit à explorer là? Il y a l'autre là, il y a le cuistot qui m'a dit qu'il y avait le poulet El Pollo Diablo là. Qu'est-ce que je peux en foutre du Pollo Diablo? Il me disait qu'il était dans la forêt, mais la forêt je peux pas y aller. La canalisation, je pense pas que c'est. Je pense pas que je peux en faire grand chose, je crois que j'ai un moucheron. Ça, la teinture. Un truc ou pas? Désolé. Je vais faire un peu d'ASMR, désolé. Voilà, il y a un truc qui m'emmerdait sur le micro. Le panneau, les panneaux. Dans la crique, je peux rien faire là. Cabane et la plage. Je pense que j'ai pris ma ration de serviettes. L'autre il est parti là. Et nuggets. Ça n'a pas besoin d'huile. Le gant ne peut pas être employé avec ça. Le gant ne peut pas être employé avec ça. Ça n'a pas besoin d'être teint. Ça n'a pas besoin d'être... Qu'est-ce que je peux faire, quoi? Cette tourtière ne me servira à rien ici. Ce coupe-biscuit ne me servira à rien. Il serait dommage de gâcher ainsi un bon... Il serait dommage de gâcher un... Je ne peux pas coller ça. Je ne peux pas coller ça.
Ça n'a pas besoin d'huile. En premier, réparer la barque. Je me demande pourquoi il y a la cascade là. La barque. C'est humide. Oh ça, il y a de l'eau humide. Quel génie. Curieusement rafraîchissant. Non. Qu'est-ce que je peux? C'est du décor. Ok, enfin du décor avec lequel on peut interagir quand même. Et le biscuit? Le biscuit? Le biscuit rentre pas dans le trou? Quel est le meilleur moyen pour réparer une barque que de mettre un biscuit dans un trou? Regardez. C'est la bonne taille, mais ça ne peut pas marcher. Ah! C'est la bonne taille. Cette tourtière ne me servira. C'est la bonne taille, mais ça ne peut pas marcher. Hein? Ce coupe-biscuit ne me servira à rien ici. Ça ne prend pas de jetons en bois. L'encyclopédie ne servira à rien. Je ne peux pas coller ça. Le gant ne peut pas être employé avec ça. À quoi me servirait ici une serviette humide? Bon, question. Est-ce que j'ai ce qu'il faut dans mon inventaire, j'entends, pour réparer la barque? Pourquoi du chewing-gum avec ça? Pourquoi du chewing-gum avec ça? Presque. Alors, presque, est-ce que ça veut dire qu'il me manque quelque chose ou est-ce que ça veut dire qu'il faut que je combine des choses pour l'avoir? Il manque un truc. Il manque un truc. Alors... Ce doit être les pirates qui ont volé Hélène. Non. Hé, hey, les gars, revenez ici. Ça serait trop simple, évidemment. Dans la baie. Je peux combiner les trucs avec le truc que t'as pas. Ok. La. Au fort, il n'y a que dalle. Et là, qu'est-ce que je pourrais avoir? Seul endroit, ce serait là-haut. Ça, je peux plus m'en servir. Alain Souchon. C'est ce qui reste d'un ancien EVA géant. Alors. Ce coupe-biscuit ne me servira à rien ici. Ce couteau-ci ne coupera pas ça. Je ne veux pas couper ça. Oh, t'es chiant. Je ne pense pas que ça puisse m'aider. T'es méga relou, quoi. Je ne peux pas coller ça. Espèce de...
sale perso, quoi. Ce bois ne peut pas être scié avec un coupe-biscuit. Ce coupe-biscuit ne me servira à rien ici. Ok. Ce bois ne peut pas être scié avec un coupe. Ce bois ne peut pas être scié avec un coupe. Merci Season. Merci, comment ça va? On sait que t'es un poster même dans Monkey Island. Merci, merci. Merci beaucoup pour le raid. Ça me fait plaisir. Et oui, donc on est sur Monkey Island. Salut Chou. Et oui, alors au dire de certains sur le chat, effectivement, je suis un imposteur sur Monkey Island aussi, et je vais clairement pas assez vite. Mais putain qu'il est dur ce jeu. Qu'il est dur. J'ai vu, Season, que tu faisais les... merde, comment ça s'appelle? C'est des point and click aussi. Comment ils... Les point and click en noir et blanc, là, un peu chelou. Je me rappelle les Bad Dream, exactement. Bad Dream Fever et Bad Dream Cova. J'ai vu que tu faisais ça. Et je les ai sur GOG aussi. Là, et je me tâtais à les faire. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup? T'as bien aimé? Parce que j'ai vu que tu les faisais, mais je suis pas venu voir de. Mikage me les a offerts. Ah là là, mais quel homme incroyable ce Mikage. Et ils sont giga cool. Ok, d'accord. Bah ouais, je pense que je me les tenterai un de ces quatre. Peut-être pas tout de suite parce que là, j'ai prévu tellement de trucs. Après les Monkey Island, là je veux me faire Grim Fandango, donc. Alors j'ai fait Coma deux fois parce que les choix influencent la fin. Hein, d'accord, il y a plusieurs fins. Et j'ai eu une giga bad ending en first. Ah ok, ouais, t'as buté tout le monde quoi. Ok. Et Ah, j'ai réussi, regardez. Regardez, je suis pas si mauvais. J'ai juste besoin d'une rustine. Non, je fais de mon mieux pour aider tout le monde. Et t'étais sur quoi là du coup? Ah bah t'étais sur Cyberpunk. J'ai vu ta story Insta où tu montais ta nouvelle carte graphique. Voilà. Ce monstre. Quand tu verras, pas de choix qui influence la fin. Ok. Oui, j'ai vu ce monstre de carte graphique qui fait à peu près la taille d'un appartement parisien, quoi. T'imagines pas le délire. Alors moi, en parlant de ça, regardez. Hop. Donc c'est une 5600, hein. Et donc le carton est à côté de mon PC, parce que j'ai des merdes avec la carte graphique, et il faut que je la renvoie en service après-vente. Ils m'ont dit, en ce moment, donc c'est chez Top Achat, mais ça aurait été pareil ailleurs, et ils m'ont dit, chez Top Achat, en ce moment, vu que c'est la merde, qu'il y a plus de carte graphique nulle part, alors donc là, je l'ai encore dedans, hein. Et donc vu qu'il y a pénurie de carte graphique, un truc monstrueux, vous nous l'envoyez en service après-vente, et après, c'est 3 à 5 semaines pour la retrouver. Voilà, comptez 2 à 3 mois. Bah ouais, non, ils m'ont dit 3 à 5 semaines. Quand est-ce que tu m'envoies ma 3090 de Noël? La carte graphique que j'ai, c'est l'équivalent, c'est entre 1070 et 1080. Donc pas hyper puissant, mais moi ça me convient, et je peux pas utiliser une carte graphique Nvidia parce que je suis sous Linux, en plus de Windows. Alors je joue sous Windows, mais je travaille sous Linux, et sous Linux, les drivers Nvidia, c'est de la merde. Et de la grosse merde en branche. Donc c'est pour ça que je reste client AMD. Et alors Melzekiel, je veux bien t'envoyer une 3090, mais le problème c'est qu'il te faut une Alim 4000 watts aussi. C'est le problème. Ouais, ouais, non, franchement, voilà, 5000... Là, la 5600, depuis récemment un écran... Alors, j'avais un écran 4K surpassé en 2K, et 144 Hz, tout ça.
Et j'ai testé Doom en 1440p, détail à quasiment à donf quoi, et franchement je suis à 70-80 images par seconde quoi. Moi j'ai la lime pour la 3090, si tu me l'envoies, y'a pas de souci. J'accepte remise en main propre, on ne peut pas malheureusement la remise en main propre en ce moment. Bah voilà, c'est ça qui manque en fait. Sinon tu l'avais, ta 3090 quoi, mais vu qu'on peut pas se donner les trucs en main propre, bon bah, un écran 2K c'est un écran caca. les excuses top tier. Non, c'est... Sinon tu l'avais, hein. Évidemment. Ça aurait été avec plaisir. Donc voilà, donc lundi j'envoie ma carte graphique en service après-vente. J'en ai pas de... en rab. Donc ça va être... Hashtag imposteur. J'en ai pas en rab, donc ça va être un peu le merdier. J'ai une idée de comment faire, mais voilà, va falloir faire du swap de matériel. Enfin, ça va être relou. Mais bon, normalement, je devrais pouvoir continuer à streamer. Pas des gros jeux, mais quand même. 3-5 semaines. Bah c'est, en fait, c'est ça, en fait. Hein. Je vais me faire du point and click. Et en plus, alors en fait, pour changer, ce que je compte faire, c'est prendre. J'ai un PC qui est branché à la télé sur lequel je joue. Et il y a un 3400G dedans. Donc c'est les processeurs avec carte graphique intégrée. Donc je pense utiliser ça. Mais du coup, par rapport à mon 1700... par rapport à mon 1700X, qui a 8 cores, 8 cores 16 threads, l'autre 4 cores, je sais pas si je vais arriver à encoder plus mettre les jeux quoi. Donc pour jouer à Red Dead 2, non, Red Dead 2 ça va pas passer. Donc du coup ça va être du point and click, du Isaac, voilà, je pense que ça va être des trucs un peu moins gourmands quoi. Et je vais peut-être être en 720p pendant un temps. Mais bon, au moins je pourrais continuer à streamer déjà. Et continuer à bosser aussi, ça peut être pas mal. Coucou Bibi la Diva. Re Bibi la Diva. Donc voilà, les soucis matériels, j'en ai plein le cul. Je comprends rien du tout, c'est normal, on parle matos. Je vais aller où? Ah bah oui, je vais aller où au truc. Donc voilà, ça va être des petits jeux prochainement. Et je pense que quand je vais retrouver la carte graphique, je vais me faire l'extension de Doom que j'ai, mais que j'ai pas encore commencé. Donc je vais sûrement me la faire en stream, ça me tente bien. Alors, la rustine en caoutchouc, bah faut la coller. La rustine est pleine de colle. Hop. Impeccable. Doom avec Kakalib. Alors attends, parce que les gens qui ne connaissent pas cette la lib caca. En plus c'est la lib caca, c'est même pas Kakalib, c'est la lib caca. Et les gens qui ne connaissent pas vont se demander de quoi tu parles. Si tu as des fantasmes bizarres. Moi j'ai une super carte graphique. Achète le DLC pour que je puisse y jouer, s'il te plaît. Tu parles de quoi, Chou? Ouais, mais toi, t'as une super carte graphique pour faire de la retouche, tout ça. Ah, Number, Number IT, tu t'es fait... Tu t'es fait censurer. En gros, il prend mon compte Bethesda pour jouer à Doom. Oh là là, les petits pirates. Oh, les petits pirates. On joue à Monkey Island et je vous traite de pirate. Mais je vais me faire pécho par les requins, non? Pour qu'il y ait un truc comme ça pour, ça pue la merde. Non? T'es un imposteur, un pirate, c'est pareil. Alors, je me suis fait censurer, je vois pas la diff. Alors, est-ce que Guybrush, d'après vous, sait faire des tractions? Soit c'est une forme traditionnelle de torture maritime, soit c'est juste une planche. Alors,
Petite traction ou pas? Oh là là, mais quel nul! Mais quel gros naze! Le mec est vraiment inutile. Hein. Alors, avec des gants. Le gant ne peut pas être employé avec ça. J'aurais essayé. Hein. J'aurais essayé. Squelette? Je ne peux pas utiliser le squelette. Je vais tous les faire. Hein. Je vais tous les faire. Voilà. Si c'est chiant, bah restez quand même, ça me fait plaisir. Alors. Qu'est-ce que... Je peux rien faire avec ça. Et que ce merdier là. Ah! Ah, j'adore! J'adore! J'adore ce jeu! J'adore ce jeu! Où je me dis, bon, il y a une énigme, va falloir que je m'en sorte! Alors que. Faut juste cliquer sur la flèche! Oh, mais merde! Oh, mais quel con! Quel con! En fait le jeu arrive à me mind game! C'est vraiment, je me dis, va y avoir, ça va être compliqué, va y avoir une énigme, faut que je la fasse, faut que je trouve qu'est-ce qui se passe. Alors qu'il faut juste continuer en fait. Ah, c'est génial. Franchement, c'est le meilleur jeu du monde. Alors, il s'appelle Guybrush, pirate émérite, Guybrush, je veux ma fiancée. Je vais tous vous massacrer. À chaque fois qu'il dit ça, ça se passe mal. Hein. Matrixé par les énigmes. Non mais. Je te kiffe pour ça. Mais ouais, non mais c'est ça. Je cherche des trucs où il n'y en a pas. Le 1. Oh là là, faut que je fasse ça. Hein. Faut que je fasse ça. Oh, attendez. On fait une pause juste 2 secondes. Alors je vais pas vraiment faire une pause. Hein. Vous allez me voir. Je reste ici, ne vous inquiétez pas. C'est où? C'est là. Tac. Non, pas ça. Ça. Comment je vais appeler ça? Hop. Ah, vous allez voir, hein, ça va être magnifique. Hein. Hop. Tagadak, tagadak, tagadak. On s'en fout. Ah, vous avez vu, hein, c'est le meilleur stream. Hein. C'est le meilleur stream que vous ayez vu de votre vie. Hop! Ah merde! Bon, si vous avez écrit des trucs... si vous avez écrit des trucs avant, je les ai pas vus. Hein. Faudrait que je retourne sur ma scène talking. Mais... Et donc maintenant, vous avez un choix en plus dans les points de chaîne. Normalement. Qui est choisir la prochaine phrase. Donc maintenant, avec vos points de chaîne, voilà, et voilà, Bibi, elle a tout pigé, elle a récupéré à vous, et donc la 2, elle m'a dit. Je suis Guybrush Threepwood et je veux ma fiancée. Nous verrons comment le capitaine juge tes menaces. Le capitaine? Oui, Threepwood, tu es à bord du Concombre des Mers. Je suis Fossé, le second du vaisseau. Et le capitaine, c'est la terreur de tous les océans. Le terrible pirate, le Le quoi? Oui, capitaine, c'est sur la table. Le tch... C'est cela, le capitaine le tch... Mon capitaine, c'est juste un intrus, mais je m'en occupe. Il dit que tu dois être torturé. Choisis le supplice. C'est soit le goudron et les plumes,
soit le supplice de la planche. Alors, Twinsen, tu as choisi, enfin tu as dépensé tes points pour choisir le prochain truc. Donc vas-y. Tu me dis, c'est à toi de me dire ce qu'on choisit. Alors, j'ai déjà passé par la planche pour venir, ça suffit pas. Un sérieux avertissement ne ferait pas l'affaire. Les plumes, ça me va, mais sans rien avec, c'est possible. T'as pas de torture sans douleur et sans humiliation. Ouah, mes points sont passés à la trappe. T'avais pris quoi comme... À vous, chou. Ah oui, non, mais chou, ouais, ah bah oui. Ah, désolé. En fait, non, ouais, ok, je me suis planté. Vas-y, chou. Attends, Twinsen, il y a chou qui avait pris les points avant, donc vas-y. Bah oui, mais non, mais je me suis gouré, en fait, vu qu'il y a ton message au-dessus, en fait, je me suis gouré. Allez, vas-y, chou. désolé, je commence. Je suis pas un grand streamer, je suis un bébé streamer. On fait des bêtises. J'apprends, donc j'économise les points pour les squats. Allez, vas-y, Achou, à toi de choisir et on fera Twinsen juste après. La 3. Les plumes d'accord, mais sans rien avec, c'est possible? Non, désolé. Bon, ce sera donc le supplice de la planche. On évite de trop recourir aux plumes et au goudron. Ça salit partout, et puis le goudron est utile pour colmater les fuites. Oh. Qu'en dites-vous, les gars? On lui fait subir la planche? Oh! Y a des singes. Une dernière pensée, Threepwood. Tout le monde va me détester maintenant. Pourquoi tout le monde te détesterait, voyons? Tout le monde t'aime, Bibi. Tout le monde t'aime. Et donc du coup, Twinsen, à toi de choisir. Donc la première, si j'avais plusieurs vies, je les donnerais toutes par amour. Je retrouverai Hélène, quoi qu'il arrive. Je reviendrai pour tous vous tuer. Non, c'est le vide complet. À vous! Vous connaissez Jean-Michel à vous, évidemment. Hein. Je vous apprends pas ce truc. Ah là, faire que je fasse des alertes, du coup. Faire que je fasse des alertes pour les points de chaîne. Allez, Twinsen, où es-tu? Dis-nous tout, qu'est-ce que tu veux? 1, 2, 3, 4... Après, il va te dire que je suis trop long, hein, mais c'est lui qui met du temps à répondre, en fait. Oh, on l'a perdu. Bon, allez, je lui donne 10 secondes. 10 secondes, et puis après, c'est moi qui choisis. Ah. Le jeu qui a un triplé de temps... Non, non, il te rappellera pas de temps, parce que vu le temps que ça me prend... Allez, le 4. Non, c'est le vide complet. Bon, allons-y maintenant. Mais je vais retomber dans ma barque, en fait. Étrange, on n'a rien entendu. Splash. Oh putain. Oh mais merde. Oh les débiles. Alors. Donc il faut sûrement que je fasse quelque chose avec la planche. Si je mettais une petite serviette. À quoi me servirait ici? Non. Qu'est-ce que... Je ne peux pas coller ça. Oh, il peut rien faire. Je ne peux pas utiliser le... Je ne peux pas utiliser un ballon. Alors... Biscuit, tu m'as biscuit. C'est dommage de gâcher ainsi un bon biscuit. Ah, il revient pas. Il y a la cale. Est-ce que je peux prendre du goudron? Qui est là? Chou, t'enduis d'eau, la serviette mouillée pour faire genre t'es tombé te à l'eau. Revoilà. Je ne sais ni comment ni pourquoi tu es revenu, mais tu t'en repentiras. Il s'en repentira. Bon, allons-y maintenant. Ok. Bon, je vais aller à la cale.
Un petit chat qui vient de se réveiller. Étrange. Cette cale est pleine de bagages cassés. Non. 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 C'est un vieux baquet plein de goudron. Ah, c'est pas une question de temps. Cette tourtière ne me servira. Ça n'a pas besoin d'être... Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce... Vite, vite. Ce couteau-ci ne coupera pas. Avec le couteau? Je ne veux pas couper ça. Ah! Que faire? Que faire? Ça, je peux pas l'ouvrir? Je ne peux pas utiliser un bâton. Non, ça marche pas. Ah! Et je suis en parler le bonhomme. Bah, merci, je parle si je veux quand même. Merde, c'est mon stream, quoi. Un couteau à pain pour couper les poutres. Non, mais... attends, attends, je t'explique. On est dans les Monkey Island. Et et disons que c'est pas incohérent. Hein. C'est pas incohérent. Et bah, bisous, Bibi. Comme d'hab, merci d'être passé. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur le stream. Mais ouais, non, le couteau à pain sur le... sur les... On a quand même élagué tout un pan de forêt avec des ciseaux pour les cheveux. Hein. C'est les ciseaux-là, en fait. On a déforesté la moitié de la forêt avec. Hein. Donc bon. Tout est possible dans ce jeu. Bon, je vais y aller, je dois voir pour Garry's Mod, etc. etc., etc. Puis après, dodo. Et bah, des bisous, Season. Et encore merci pour ton soutien. Et pour le raid. Et pour tes streams qui sont toujours très rigolos. Voilà. Merci à toi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Inscris-toi à Garry's Mod. Je ne sais pas ce que c'est. Faudra que je vais voir. Si c'est en 3D, c'est quoi? C'est compromis. Pour les prochaines semaines. Voilà. Voilà. Ça, c'est dit. Ah oui. Bon, bah, voilà. Voilà. Si ce n'est pas un truc en 2D, je pense que c'est mort pour... C'est de la 3D de 2012. Ouais, mais... avec un 3400, va falloir que j'encode plus que je fasse de la 3D. Je verrai. Je verrai. Je te redis ça. Je te redis ça. Et bah, bonne fin de soirée à toi et des bisous. Alors. Faut pas toucher à la porte. Sinon, on va se faire griller. Et bien évidemment. Le roseau. Est-ce que je peux sniffer? Je peux pas utiliser le roseau avec ça. Est-ce que je peux sniffer du goudron? Pas très recommandé, mais... Hein. 3D de 2006, en fait. Ah oui. Ah oui. Cette tourtière ne me servira à rien. À quoi me servirait ici une serviette humide? Je sais pas. À quoi me servirait ici une serviette humide? Je sais pas. Je sais... Ah, faut que je bloque la porte. Attendez. Je ne veux pas piquer ça. Mais non, je veux pas que tu le piques, je veux que tu bloques la porte. Avec le couteau à pain. Ce couteau-ci ne coupera pas. Je veux pas que tu coupes, je veux que tu bloques la porte. Je peux pas utiliser le roseau. Si je mets de la colle. Je ne peux pas coller ça. Si je bloque avec ça. Je ne peux pas utiliser le squelette. Non. J'y suis presque. Je ne peux pas utiliser un ballon. Je vous promets, j'y suis presque. Non, c'est pas ça. Attendez, l'huile. Ça n'a pas besoin d'huile. Si j'en mets partout par terre, il va glisser. Ça n'a pas besoin d'huile. Ça n'a pas besoin d'huile. C'est toi qui n'as pas besoin d'huile. Oh là là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette connerie, quoi? Là, j'ai la barque.
suis là. Ça n'a pas besoin d'huile. Alors ça j'ai déjà essayé. Ça n'a pas besoin d'être teint. Ça n'a pas besoin d'être teint. À quoi me servirait ici? Mais je sais pas. Ce coupe-biscuit ne me servira à rien ici. Comment je peux prendre du goudron? Je ne veux pas piquer. Je ne veux pas piquer ça. Mais non, mais... Oh. Le gant ne peut pas être... Mais pourquoi? Pourquoi il pourrait pas? J'ai pas tout essayé. Sur quoi? Est-ce que tu peux me dire sur quoi? Sur la planche? Est-ce que c'est sur la planche, sur la barque ou sur le goudron? Sur quoi j'ai pas tout essayé? Dis-moi. Aide-moi. Sur la planche. J'ai pas tout essayé sur la planche. Ah. Ah. Ça, j'ai essayé. Ça, j'ai essayé. Colle. Je ne peux pas coller ça. La baguette magique n'a pas d'effet. Je ne veux pas projeter ma... Ok. Je vais le conserver. Pourquoi du chewing-gum avec ça? Je sais pas pourquoi du chewing-gum. Elle est trop épaisse pour être coupée avec des ciseaux. Elle est trop épaisse pour... Ah. Mais... Oh. Eh, Chou, Chou, t'es toujours là ou pas? Parce que... Parce que selon toi... Ah. 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 Alors... Alors... Le couteau à pain sur les... le couteau à pain sur les planches. Hein? Comme quoi, c'était pas possible? Ben voilà. Je n'ai pas besoin de la planche. C'est ce qui reste de la planche du bateau. Ok. C'est vrai que ça coupe bien quand même. Bah oui. Qui est là? Encore toi? Décidément, tu es têtu. Je ne sais ni comment, ni pourquoi tu es revenu. Mais il n'y aura pas de prochaine fois, je peux te l'assurer. Qu'y a-t-il, capitaine? Des vandales? À vos ordres, plumes et goudron. C'est salissant, mais c'est la seule torture qui nous reste. Notre illustre capitaine a décrété que tu serais passé au goudron et à la plume. Ça t'apprendra. Que dois-je faire maintenant? Oh, je ne sais pas. C'est une première pour nous. Te sens-tu humilié? Un peu, mais pas plus que d'habitude. Dans ce cas, déguerpis. Oh là là. Oh là là. Ah non, je l'ai. Je l'ai. Mais quelle connerie. Alors, en plus, c'est bien un type de couteau avec lequel tu devrais pas pouvoir couper du bois, c'est ça? Y a pas de dents, rien? Bah si. Bah si, un couteau à pain, t'as les petites dents, quoi. Bah évidemment que si, t'as des dents sur un couteau à pain. Regarde, bah regarde. Regarde la tête qu'il a. Couteau à pain. Y a des petites dents. Et donc, maintenant, je ressemble à un être humain. Qui a des plumes comme un poulet. comme un poulet géant maléfique. Donc est-ce que je pourrais comme qui dirait pas aller voir le cuistot déguisé en poulet géant? Ah ouais, il est pas comme un couteau à pain. Ah bah, les couteaux à pain, ils sont comme ça, quoi. Avez-vous pensé à réserver... Oh! Madre de Dios! Es el pollo diablo! Ah là là. Oh, ce jeu. Ce jeu, c'est n'importe quoi.
Quai 1. Oui, j'ai libéré tes prisonniers et maintenant ils sont... Attends, et maintenant nous deux. Si, he dejado en libertad los prisioneros y ahora vengo por ti. Si, he dejado en libertad los prisioneros y ahora vengo por ti. Eh bien, il faudra d'abord te battre. Oh. Aïe. Oh, cette graisse de poulet m'a débarrassé de mes plumes. Oups, je ne dois pas faire de bruit. À vos ordres, capitaine. Je m'en occupe après avoir dîné. Qu'y a-t-il, capitaine? Je mange trop de poulet frit. C'est vrai, mais j'ai un faible pour le poulet, voyez-vous. Je sais, vous n'avez pas ce genre de faiblesse, capitaine Le Chimp. C'est vous Le Chimp. Un héros. Et moi, je ne suis qu'un moucheron. Le Chimp? Le capitaine est un saint. Monsieur Fosset doit être... Oui, mon capitaine. Banane fraîche pour tout l'équipage. Un vrai... Mais attends, je me rends compte qu'on a un couteau à pain éclaté chez nous. Merde. Bien sûr, capitaine, je vais vous épouiller. Je suis sûr que cette statue en or regonflera le moral de tout l'équipage. Avec l'argent qu'on en retirera, on pourra se payer de nouveaux navires et devenir la terreur de toutes les Caraïbes. Ce jeu a été scénarisé par des stoners, quoi. Mais tellement, tellement. C'était pas le choc, c'était... Oh non, il lui mange. Ah non, il les mange pas. Ah, j'ai cru qu'il les mangeait. Donc en fait, Chou, t'as attendu quel âge pour te rendre compte de ce qu'était vraiment un couteau à pain? Parce que... En fait, c'est toi qui as vraiment un couteau à pain, pas comme tout le monde, quoi. Alors, la balançoire à pneus, la cruche. Non mais attends, je vais trouver une image. Ah, je hais la porcelaine. C'est une longue histoire, j'expliquerai plus tard. C'est une cruche en porcelaine. Et juste, il faut couper pour le pain, on a un gros couteau à beurre. Ah oui. Ah. Ah, c'est pas pratique. En fait, ça fait 20 ans que vous galérez à couper du pain et vous comprenez pas pourquoi, quoi. Parce que vous avez un putain gros couteau à beurre, quoi, pour couper le pain. Ok. Je n'ai pas envie de fruits. C'est une coupe de fruits. Ok. Si je passe par ce hublot, je vais atterrir sur la planche que j'ai sciée. C'est déjà propre. Oh! Il voulait lécher la fenêtre. Est-ce que je peux revenir après? Vu le bruit, ouais, j'allais dire vu le bruit, je pense qu'il va y avoir les requins, évidemment. Ah, mais zut! C'est le concombre des mers. Non. Ah merde, mais j'ai chié en fait. J'ai eu assez de goudron, merci. C'est inquiétant, on tape en couteau à pain. Je trouve absolument pas notre couteau. Non mais je pense que vous avez un truc qui est juste à vous. Non. Étrange. Cette cale est pleine de bagages cassés. Pleine de bagages cassés. La graisse de poulet. La graisse de poulet. Qu'est-ce que je pourrais faire de la graisse de poulet? Je pourrais la mettre devant? La graisse de poulet ne servirait à rien avec ça. D'accord, d'accord. Si j'entre maintenant, ils vont sûrement me torturer. Oh. Hmm.
Comment je retourne de l'autre côté? Je vais prendre une photo pour faire une recherche. Désolé de t'avoir pourri ta soirée. Hein. Ah mais voilà, bah, comment je peux rentrer? Ok. C'est Monsieur Fosset, le second. C'est l'ignoble pirate, le Chimp. C'est un plat de banane. Je n'ai pas envie de banane. C'est une balançoire. Non. Des biscuits. Du pain. La graisse de poulet ne servirait à rien avec ça. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. S'il sait que je suis là, il me fera quelque chose. Attendez. Vérif. 1, 2, 3. Oh non! Voilà que j'entends encore ces voix! Monsieur Fosset, j'ai réfléchi. Ça va, capitaine? Votre voix n'est plus la même. Ne me coupez pas. Veuillez m'excuser. On devrait peut-être renoncer à la piraterie. Regardez autour de vous, regardez-moi, voyez cet équipage. Il n'y a que des singes. Vous voulez dire d'un point de vue darwinien, c'est ça? Non, au sens littéral du mot. Avez-vous remarqué qu'il préfère se balancer au mât que de passer le faubert sur le pont? Je ne mentionne même pas le fait qu'il gesticule sans cesse. Vous trouvez peut-être que la discipline ne règne pas à bord? Non, je propose seulement qu'on arrête ce jeu et qu'on retourne dans nos arbres. Un singe a besoin de sa forêt, il n'est pas fait pour la vie d'un marin. Si vous pensez vraiment ce que vous dites, je n'ai qu'à m'incliner. Alors notre dernière mission sera d'aller dénicher cette statue et... Ce sera dur pour eux, mais puisque vous jugez que c'est mieux ainsi... Ok, mais d'abord allons dénicher cette statue et donnons-la... Je veillerai à ce qu'ils ne se sentent pas fautifs. Oui, très bien. Et ensuite, on part déterrer cette statue? D'accord, ça ira quand même. Ok. Cette carte indique sûrement l'endroit où Hélène est enterrée. Alors, ouvrir bien grand les yeux et suivre... Quoi ? Sud-est, nord-ouest, ouest, sud-est, deux pas vers le nord, est, sud-ouest, X indique l'endroit. Est-ce que ça serait pas le bazar au... Alors, je vais écrire sur mon petit post-it. Sud-est. Nord-ouest. Ouest. Sud. Est. Deux fois nord-est. Parce que là où il y a les lumières, ça ressemble vachement à des points cardinaux. Est. Et sud. Ouest. Bon. On va voir si on peut pas choper autre chose. Non. Je n'ai aucune envie de foin moisi. Je n'ai pas envie de banane. Ok. Pourquoi diable m'encombrerais-je d'un pain pirate? Ce genre de théâtre intello, très peu pour moi. Si je veux pénétrer dans le théâtre, je peux toujours utiliser l'entrée des artistes. Oui, d'accord. Porcelaine. Non, ce maïs a un aspect trop gluant. Je n'ai pas envie d'y toucher. Ok. J'évite autant que possible le sel. Quant au poivre, un seul biscuit me suffit. Le sel de table. Dans l'immédiat, je n'ai pas très envie de purée. Je n'aime pas les myrtilles et je ne vais pas m'y mettre maintenant. Je n'ai pas envie de banane. Tu veux rien, quoi? Est-ce que lui, on peut lui parler? Je pense que ce fosset est le seul qui puisse lui parler. Ok, bon, a priori, on peut rien prendre, hein.
Tac, bon, on retourne. Plus chiant qu'un gosse niveau bouffe. Hop. Ça c'est ok. Et donc, non, c'est pas là. Hop, hop, hop. Ça, donc ensuite, on a dit sud-est. Ensuite, nord-ouest. Ouest. Sud. Est. Deux fois nord-est. Oh il y a la petite tête dans sa Max. Est. Et sud-ouest. Voilà, c'est ici qu'Hélène doit être enterrée. Hop là. Et maintenant, le moment que vous attendez tous avec un heureux, c'est bien un couteau à pain, mais heureux, pourtant, avec des de dents toutes petites. Mais longues, pas du tout pointues du tout. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce un poignard que je vois devant moi? Non, c'en est trois! Voyez comme je sais jongler! Et le risque personnel que je cours. Sans parler de vous, si je trébuche. Peut-être que c'est un couteau émoussé depuis son machin. Oui, mais j'aimerais qu'il s'en aille pour que je puisse déterrer Hélène. Alors, est-ce que je peux rentrer maintenant? C'est fermé parce que la représentation est en cours. Ah bah, c'était fermé avant, c'était fermé maintenant. Ah, je peux plus monter. Je ne puis-je plus monter. C'est bien embêtant. Pauvre de toi, Yorick. Je le connaissais. Lui et ses deux potes. Oui! Laisse tomber, laisse. Alors, qu'est-ce que j'ai? La graisse. Est-ce que je peux mettre de la graisse? La graisse de poulet ne servirait à rien avec ça. Oui, bon, ça va. Où est-ce que je peux aller? Bah, je peux aller sur le navire, en fait. Non, merde, c'est pas là. C'est chiant, on peut pas double-cliquer. Alors. C'est vide. Non. Il est plus là, monsieur singe. Là, je pourrais rien choper. Verdoum. Poum, 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 poum. Alors, je sais pas trop. Je sais pas trop. Et je commence à fatiguer. Et quelle heure? 23h10. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Hop, ouais. Ouais, parce que là, je commence à fatiguer. Je vais être moins bon. Déjà que je suis pas très fin. Déjà que je suis pas très doué. Ça va être une cata.
Tu as pas tout fait pourtant. Non, non, j'ai pas tout fait. Mais je sais bien. Bah, je sais bien que le jeu s'arrête pas là, quoi. Mais voilà. Non, mais je vais reprendre. Je reprends demain ou je reprends après-demain. Donc, c'est pas trop dérangeant. Donc, non, non. Puis là, enfin, vraiment, ouais, je commence à être claqué. En plus, ouais, non, j'ai bien d'avance. Franchement, j'ai pas trop galéré. Eh bien, Twinsen, si. Effectivement, Twinsen. Du coup, s'il me reste qu'un truc, eh ben, je le ferai la prochaine fois. Merci Lolo Malon pour le follow. Merci beaucoup. Ah, je suis content. Si tu follow, je pense que c'est parce que tu as envie de voir la suite. Donc ça, c'est que j'étais j'étais intéressant ou parce que vraiment t'es fan du jeu et que du coup voilà, t'as vraiment envie de revoir. Pour info, ouais non, c'est la première fois que je les faisais. Hein. C'est pas du tout un replay. C'est pas un replay des jeux, c'est vraiment. Les deux premiers, donc j'ai fait les remasters, c'était la première fois, donc le premier je l'ai fait sans trop de difficulté, bien que j'ai eu des coups de main de temps en temps, et le 2, ouais, j'ai un peu plus galéré sur le 2, effectivement, et là le 3, ouais, dans le début, le début, mais j'en ai chié, mais d'une force, donc non, non, les jeux sont vraiment sympas, quoi. Hop, je vais sauvegarder, hop, sauver, nouvelle sauvegarde, on va appeler ça Dodo Time, hop. Et on va quitter. Hop là. Non, non, mais je sais que là, du coup, pour ces énigmes-là, il me restait pas grand-chose à faire, probablement. Mais ouais, non, là, j'ai juste envie d'arrêter et puis d'aller me faire un petit dodo. On va aller regarder d'abord qui est en live pour voir qui on va raid. Qui on va raid? Eh ben, il y a Vorpal. Ah, merveilleux, il y a Vorpal qui est... qui est en live, donc on va aller chez l'ami Avorpal. Hop, est-ce qu'on a le droit à une petite pub ou pas au début? Non, on dirait que chez lui. Hop. Donc rapido. Hop. Et bah du coup, merci beaucoup d'avoir été là. Il y a des petits nouveaux, donc ça fait vraiment super plaisir. Merci pour les deux raids, donc il y a eu Tonoshi et Season qui m'ont raid, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, on a passé une bonne soirée, le jeu me plaît toujours autant, donc on va continuer très prochainement. Donc je vous disais, demain, ce sera demain ou après-demain, quoi. On verra bien. Sur ce, je vous envoie chez Avorpal, vous lui faites un petit coin de ma part. Et puis, bonne fin de soirée et bonne nuit à tout le monde. Des bisous. Bye.